Bon, je suis pressé, je suis dans la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher. On va prendre 2 scoops de Jacques 3D. Hein, Jacques, ce fameux Jacques. Fais focus! Pas en faire tomber, pas gaspiller, pas gaspiller, pas gaspiller! Bon, je me suis dépêché. Bon, évidemment, faut qu'il y ait quelqu'un qui passe quand je filme. On va aller à la salle. Je suis en mode androgénique, là, comme At Me Bro. Donc, on va aller s'entraîner. On va aller faire les pecs aujourd'hui. Only. Je pense. Trees aussi. Triceps. Donc comme je disais, on va aller faire les pecs. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais partir sur un full haltère, je pense. Je travaille pas énormément à la barre, sauf au coucher. Je fais ça une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Ça dépend en fait. Je préfère largement bosser aux haltères. C'est plus sécuritaire. T'as une meilleure congestion. J'arrive mieux à étirer. Mais juste étirer les pecs. Full amplitude. J'essaye vraiment d'avoir une très bonne amplitude. Je suis devenu plus souple. Le problème, c'est qu'arrivé en fin de séance, quand je commence à faire des écartés inclinés, ça tire sur l'épaule, mais alors pas à peu près. Donc je me retrouve avec une brûlure intense au niveau de l'épaule. Là, je suis chaud, donc à mon avis, soit je fais beaucoup d'exercices, mais alors je fais que 2 séries. Ou alors je ne fais que 3 exercices et je fais 4-5 séries. Voilà, ça va péter, quoi, vraiment. Ce putain de booster monte vraiment à la tête, ça me rend vraiment agressif, je me sens androgène. Je pense qu'il va falloir ne pas me parler pendant la séance, sinon ça va vite me faire chier. Je vous laisse, je vais aller à la salle et on se revoit tout à l'heure. Bisous, pute. Ah gros, ils en ont foutu partout. Ça c'est des lumières à la con. Ils en ont foutu partout, ça fait des contre-appels. Non, ce qu'il faut c'est des trappes, des lumières naturelles. Ah, j'aime pas dire naturel forcément. Pas parti dans le bon délire, j'aurais dû me mettre de l'autre côté. Tu ressens le bruit. Le développé barre. Le développé barre aide beaucoup, franchement. J'ai augmenté mes charges au développé couché. Et là, les haltères, ça paraît vraiment simple. Saloperie, ouais.
En fait, je fais une séance pec, mais la vidéo, ça sera comment ramasser un poids sans se blesser. Ouais. Tu vois, je marque des petites tampons, enfin, je marque des temps de pause entre deux. Ah! Bizarrement, il y a un gros silence. Bon, les enfants de la gonflette, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de vous partager ma séance pectoraux type full halter. La prochaine fois, nous parlerons du dos. En attendant, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Ciao.